Bonjour tout le monde. Bonjour. Oui, bravo, d'accord, nous sommes à Marie Fête, d'abord. Je connais d'accord. L'exercice l'akhriani, madame, question l'akhriani. A, P, P, P à la puissance 1, 1, 1. A à la puissance N, hein? Oui, le calcul de A à la puissance 1. On l'a fait rapidement. Qui a une question concernant cet exercice avant de commencer le nouveau cours? C'est bon? D'accord. On va passer à la suite du cours. Donc, on va étudier aujourd'hui les opérations élémentaires. Donc, soit A une matrice à n lignes et n colonnes, on appelle opérations élémentaires sur les colonnes de A les transformations suivantes où CJ désigne la jème colonne de A. Donc, c'est quoi les opérations élémentaires? C'est l'échange de deux colonnes, remplacement d'une colonne CJ de A par alpha fois CJ, avec alpha et non nul, remplacement d'une colonne CJ de A par CJ plus alpha fois CK, avec alpha appartenant à K étoile. Okay? Alors. C'est-à-dire quoi ça? Pour calculer l'inverse d'une matrice ou bien pour déterminer le rang d'une matrice ou bien dans le chapitre suivant, on va calculer le déterminant d'une matrice. On va utiliser ce qu'on appelle opération élémentaire, c'est-à-dire remplacer une colonne par exemple par deux fois, si on peut remplacer la colonne C2 par exemple par deux fois C2, on peut échanger les colonnes. Par exemple, la colonne C1 prend la place de C2 et vice-versa. On peut aussi remplacer, par exemple, la colonne C1 par C1 plus deux fois C2. Donc, on ajoute à C1 une combinaison linéaire des autres. Même on peut écrire C1 plus deux fois C2 moins C3. D'accord? L'essentiel, c'est de commencer ici par C1. Échanger C1 par ajouter à C1 quelque chose, les autres colonnes de la matrice, d'accord? Alors, on définit d'une manière analogue les opérations élémentaires sur les lignes. C'est-à-dire, si on a une matrice, on peut échanger deux lignes. La ligne 1 prend la place de la ligne 2 et la ligne 2 prend la place de la ligne 1. On peut aussi changer, par exemple, la ligne 1. Au lieu de mettre la ligne 1, on va faire L1 plus 2 fois L1, ou bien 2 L1 moins 3 fois L2, ou bien L1 moins L2. On peut faire ces opérations sur une matrice. Ces opérations sont appelées opérations élémentaires. On rappelle que si F de E dans F est une application linéaire, alors le rang de F, c'est la dimension de l'image de F. Or, on a dit que l'image de F, il est engendré par F de E1 jusqu'à F de En. C'est vecte de F de E1 jusqu'à F de En. OK? Avec E1 jusqu'à En est une base de E. Le rang d'une application linéaire, c'est la dimension de l'image de F. D'accord? Le rang de F, c'est en fait le plus grand cardinal de sous-famille libre de F de E1 jusqu'à F de En. On a cette famille F de E1 jusqu'à F de En est une famille génératrice de images de F. Mais ce n'est pas automatiquement une base. Il faut chercher le nombre maximum
de vecteurs libres pour construire une base d'image de F. Donc, la dimension, ce sera le nombre maximum de vecteurs libres parmi ces vecteurs-là. OK? Rendu une matrice, soit A appartenant à MNP de K, N ligne et P colonne, on appelle le rang de A et on note RG de A, le rang de la famille des colonnes de A, rang de A égale rang C1, C1 jusqu'à CP. Ce sont les colonnes de la matrice. Et ça veut dire quoi le rang d'une famille de vecteurs, le rang de ces colonnes? C'est-à-dire le nombre maximum de vecteurs libres parmi ces vecteurs. D'accord? C'est le plus grand cardinal de sous-famille libre de C1 jusqu'à CB. Donc, si on a une matrice, on a des colonnes, on compte combien on a de familles libres. On a la plus grande famille libre de ces vecteurs. Donc, elle est constituée par exemple de deux vecteurs. On dit que le rang est égal à 2, etc. On va voir quelques propriétés. Ensuite, un exemple sur le calcul de rang d'une matrice. Proposition A, soit E et F de K espace vectoriel, B et C des bases de E et F respectivement, F de E dans F linéaire, A égale la matrice de F relativement à B et C, on a rang de A égale rang de F. Non, le rang de la matrice, c'est le rang de l'application linéaire, c'est-à-dire la dimension de l'image de F, c'est-à-dire le nombre maximum de familles libres, de sous-familles libres de la famille des colonnes de la matrice A. Quel que soit A appartenant à MNP de K, le rang de A est inférieur au nombre de lignes de la matrice. Et le rang de A est aussi inférieur au nombre de colonnes de la matrice. Quel que soit A appartenant à Mn de K, c'est-à-dire matrice à n lignes et n colonnes, matrice carrée, le rang de A, quand est-ce qu'il est égal à n lorsque n est lorsque A est inversible? Donc, si nous avons une matrice inversible, directement, son rang est égal à n. Le nombre de ces colonnes ou de ces lignes, puisqu'ils sont égaux. D'accord? Quel que soit A appartenant à MNP de K, le rang de A égale le rang de la matrice transposée de A. Qui me rappelle comment on construit la matrice transposée de A? Si on a une matrice A, par exemple, on a la colonne C1, la colonne C2, la colonne C3. Comment on fait la matrice transposée de A? X, Y. Non, ce n'est pas l'inverse. Très bien, les lignes deviennent des colonnes ou bien les colonnes deviennent des lignes. Donc, la colonne C1 devient ligne A, la colonne C2 devient ligne 2, etc. Donc, c'est comme ça qu'on construit le transposé d'une matrice. Les opérations élémentaires sur les colonnes, c'est-à-dire quoi? On a vu ces transposés. Ces opérations élémentaires, c'est-à-dire l'échange de deux colonnes ou de lignes, ajouter à une colonne une combinaison linéaire des autres colonnes, qu'est-ce qu'on a vu aussi? Multiplier une colonne, par exemple, par un réel. Donc, ce sont des opérations élémentaires. Les opérations élémentaires sur les colonnes ou les lignes ne changent pas le rang de la matrice, c'est-à-dire, par exemple, on a rang de la colonne C1, C2 jusqu'à CP égale rang de C1 plus C2. Donc, ça, c'est une opération élémentaire qu'on a fait sur la colonne C1. On a le droit de faire ça. Et le rang ne change pas. Donc, ajouter à C1, donc, par exemple, 2 fois C1. Ou bien, c'est égal au rang de C1 moins C3 plus C4. Je peux le faire. Donc, le rang, toujours, ne change pas. Et on laisse les autres colonnes telles qu'elles sont. C2 jusqu'à CP, on ajoute à C1 ce qu'on veut, les autres, une combinaison linéaire des autres colonnes. D'accord? Le rang de, c'est égal aussi le rang, par exemple, de C2, C1. On a échangé à la place de C1 prend la place de C2 et C2 prend la place
de C1. Le rang, toujours, n'a pas changé. D'accord ? Calcul du rang d'une matrice, méthode de pivot de Gauss. Grâce aux opérations élémentaires effectuées sur les lignes ou les colonnes, on peut obtenir une matrice B de la forme. Comment on appelle une matrice de telle forme? Si on a par exemple ici un réel alpha 1, alpha 2, alpha n, donc, et au-dessus de la diagonale, il n'y a que des zéros. C'est une matrice triangulaire. Très bien. Donc, ça, c'est une matrice triangulaire supérieure. Le triangle est à la partie supérieure. Et ça, c'est une matrice triangulaire inférieure. Okay? Donc, grâce aux opérations élémentaires qu'on peut faire sur les colonnes ou bien sur les lignes, c'est la même chose, à partir d'une matrice quelconque de 1, on peut obtenir à la fin une matrice qui soit triangulaire supérieure ou inférieure. D'accord? Et ceci va nous permettre de calculer le rang de cette matrice d'une façon très facile. D'accord? Au lieu de voir quelles sont les colonnes qui sont libres parmi ces matrices, c'est plus facile de travailler avec des matrices qui contiennent le maximum de zéro. D'accord? Le rang de A, finalement, si on obtient cette forme, le rang de A est le nombre de colonnes ou de lignes qui restent à la fin non nulles de la matrice obtenue. D'accord? Si on obtient une matrice de cette forme, on compte combien on a de lignes non nulles. Donc, ce nombre est le rang de la matrice A. On va voir plus clairement l'exemple. Exemple 1. Déterminer rang A avec A égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? Alors, notre but, c'est quoi? Notre but, c'est de faire des opérations élémentaires sur ces colonnes pour obtenir à la fin une matrice triangulaire. On peut obtenir une matrice triangulaire supérieure ou inférieure, ce qu'on veut. Mais je vous conseille d'essayer de trouver toujours une matrice triangulaire supérieure, comme ça. Donc, essayez d'annuler ce terme, celui-là et celui-là. Alors, comment on va faire? On va faire avec la méthode de pivot de Gauss, consiste à faire quoi? Alors, mon but, c'est de travailler, d'arriver à cette forme. Donc, au lieu de 4, je dois avoir 0. Au lieu de 7, je dois avoir 0. 0. 8 égale 0. Donc, alors, dans la méthode de pivot de Gauss, il y a une stratégie qui nous permet d'obtenir ces zéros facilement. La première étape, j'utilise la première ligne pour faire apparaître un zéro dans la deuxième ligne. Pour faire apparaître le zéro qui est là, j'utilise la première ligne. Pour faire apparaître aussi le zéro qui est là, j'utilise la première ligne. D'accord? Donc, la première étape, c'est de faire apparaître un zéro là et un zéro là. D'accord? En utilisant la première ligne. OK? Alors, première étape, j'utilise la première ligne L1 pour faire apparaître un zéro dans la deuxième ligne première colonne, dans la deuxième ligne première colonne, et un zéro dans, à la fois, et un zéro dans la troisième ligne première colonne. Qu'est-ce que j'ai fait? Pour obtenir un zéro au lieu de 4, qu'est-ce que je fais? 4, donc, je dois retrancher 4. Donc, L2, je le fais L2 moins 4 fois L1. Si je fais L2 moins 4 fois L1, j'obtiens 0 ici. D'accord? Et L3, je vais la changer par L3 moins 7 fois L1. Alors, effectuons ces opérations. Alors, le rang de A, le rang toujours ne change pas parce que ces opérations sont élémentaires. Alors, comment je sais que ces opérations sont élémentaires, ne changent pas le rang? L2. J'ai gardé le L2 et j'ai le droit d'ajouter ce que je veux, d'accord? Une combinaison linéaire des autres lignes. Alors, je suis dans la première étape. J'ai utilisé la ligne 1
pour faire apparaître un 0 ici et un 0 ici. Alors, L2, je laisse L1 telle qu'elle est. Je vais changer L2 par L2 moins 4 fois L1. L2 moins 4 fois L2. 4 moins 4, ça fait 0. 5 moins, moins quoi? 5 moins 8. Moins 8. Moins 4 fois 2, 5 moins 8, ça fait moins 3. 6 moins 4 fois 3, 6 moins 12, ça fait moins 6. Alors, je vais faire apparaître un 0 ici. Je suis toujours dans la première étape, donc j'utilise la lignée L1. L3, je la change par L3 moins 7 fois L1. Alors, L3 moins 7 fois L1. 7 moins 7, ça fait 0. 8 moins 7 fois 2, 8 moins 14, ça fait moins 6. 9 moins 7 fois 3, 9 moins 21, ça fait moins 12. Qui n'a pas compris? C'est bon, on passe à la deuxième étape. Ce n'est pas encore une matrice triangulaire, j'ai une autre étape. Quelle est l'autre étape? Deuxième étape, c'est quoi? Le moins 6, tout à 0. Très bien. Donc, je dois obtenir une matrice triangulaire. Voilà la diagonale. Donc, il faut, au-dessous de la diagonale, on n'y a que deux zéros. Donc, ils ont une diagonale, indiqué un zéro. Donc, il me dérange le moins 6. Le moins 6, il doit être 0. Je dois transformer le moins 6 en 0 en utilisant les opérations élémentaires. Alors, je suis dans la deuxième étape. J'utilise quoi? Je suis dans la première étape, j'ai utilisé la première ligne. Dans la deuxième étape, j'utilise la deuxième ligne, L2. D'accord? Deuxième étape. Première étape, c'est les deux zéros qui sont là. La troisième étape, un zéro qui est là. D'accord? Si c'était une matrice 4 fois 4, la première étape, c'est 0 là, 0 là, 0 là. Ensuite, le 0 qui est à côté là. D'accord? Alors, je dis la deuxième étape, c'est de trouver un 0 ici. Donc, en utilisant, je suis dans la deuxième étape, j'utilise la deuxième ligne L2. Sinon, je vais perdre le 0 qui est là. Si j'utilise la ligne 1, je perds ce 0, d'accord? Donc, j'utilise la ligne L2 pour faire apparaître un 0 dans la troisième ligne, deuxième colonne. Donc, qu'est-ce que je vais faire comme opération, d'après vous? Pour obtenir, je vais utiliser la ligne 2 pour obtenir un 0 ici. Qu'est-ce que je fais? L3, je la remplace par quoi? L3 moins 2, L2. Oui, L3 moins 2 fois L2. Voilà. Je laisse L1 telle qu'elle est, L2 telle qu'elle est. Donc, L3 moins 2 fois L2, 0 moins 2 fois 0, ça fait 0. Moins 6, moins 2 fois moins 3, ça fait 6. Moins 6 plus 6, ça fait 0. Moins 12, moins 2 fois moins 6, ça fait plus 12. Moins 12 plus 12, ça fait 0. Et voilà, j'ai obtenu une matrice triangulaire. Maintenant, le rang, il est toujours est égal au rang de A. Donc, j'ai dit, lorsque j'arrive à une matrice triangulaire, le rang, c'est le nombre de lignes qui restent dans la matrice triangulaire, bien sûr, le nombre de lignes non nulles. Cette ligne est non nulle, cette ligne est non nulle. Il suffit qu'il se trouve un réel non nul dans la ligne pour dire que la ligne est non nulle. D'accord? Cette ligne est non nulle. Celle-là est non nulle et celle-là est nulle. Donc, le rang de A, il y a deux lignes non nulles. Le rang de A égale 2. Qui n'a pas compris? Alors, c'est bon? Voilà, Naoud. Missile, je suis Naoud. On passe. Mais ça, c'est la méthode de pivot de Gauss.
Donc, la première étape, 2 zéros ici. Il est 4 fois 4, donc ils ont mis 3 zéros en utilisant la première ligne. La deuxième étape, c'est de faire apparaître un zéro ici. D'accord? Ils ont fait ligne d'achranir. Donc, un zéro ici. En utilisant quoi? En utilisant la ligne 2. C'est ça. Et le rang, à la fin, c'est le nombre de lignes qui sont non nulles. Alors, on va utiliser presque la même méthode pour inverser une matrice. L'autre fois, on a vu comment on fait l'inverse d'une matrice par la méthode des systèmes. Bien. Donc, on a utilisé la méthode de système. Maintenant, on va utiliser pivot de Gauss ou bien les opérations élémentaires pour inverser une matrice. Et vous devez connaître toutes les méthodes parce qu'on peut vous donner un exercice, inverser A par exemple. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais si on vous impose la méthode, il faut utiliser la méthode qu'on vous dit. D'accord? Donc, il faut tout, et donc par la suite, on va voir une troisième méthode donc, pour calculer l'inverse d'une matrice. Alors, maintenant, on va utiliser la méthode de pivot de Gauss. Inversant la matrice A égale 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Alors, on met à gauche la matrice A, à droite la matrice identité. Alors, c'est quoi la matrice identité? Sur la diagonale, on met que des 1 et ailleurs des 0. C'est-à-dire la matrice identité de M3 de R. Alors, je choisis la matrice de la même taille que A. Donc, si j'ai une matrice 4 x 4, je dois utiliser la matrice I4. D'accord? Alors, ensuite, la méthode consiste à quoi? C'est de transformer par les opérations élémentaires sur les colonnes ou les lignes, peu importe, transformer la matrice A en la matrice identité. D'accord? Pour le calcul de rang, il faut la transformer en une matrice triangulaire. Pour l'inverse, il faut plus que ça, il faut qu'elle soit une matrice, elle sera égale à l'identité par les transformations, d'accord? Il faut la transformer en la matrice identité. Alors, pour ça, on va utiliser, d'abord, on va la transformer en une matrice triangulaire par la méthode qu'on a vue, par la méthode de pivot de Gauss. Alors, donc, je dois transformer d'abord la matrice triangulaire. Ensuite, je dois la transformer en matrice identité. D'accord? Alors, je suis dans la première étape. Alors, ce 1, il doit être transformé en quoi? 0. En 0. Le 2 aussi, je dois le transformer 0. Mais en utilisant quoi? Je suis dans la première étape en utilisant première ligne. La ligne. D'accord. Je fais apparaître un 0 ici et un 0 ici. Je suis dans la première étape. J'utilise la ligne 1. Alors, comment il devient 0 ici? Je fais L2 moins L1. J'obtiens un 0. Comment obtenir un 0 ici? Je fais L3. Je suis dans la ligne L3 moins 2 fois L1, L3, moins 2 fois L1, je vais obtenir un 0. Je laisse la ligne 1 telle qu'elle est. L2 moins L1, 1 moins, je remplace L2 par L2 moins L1. 1 moins 1, ça fait 0. 2 moins 1, ça fait 1. 1 moins 2, ça fait moins 1. Je remplace la ligne L3 par L3 moins 2 fois L1. Alors, L3 moins 2 fois L1. Alors, 2 moins 2, ça fait 0. 1 moins 2 fois 2, 1 moins... je m'excuse, je dois travailler avec L1. Je m'excuse. L3 moins 2 fois L1. Alors, 2 moins 2, ça fait 0. 1 moins 2 fois L1, ça fait 1 moins 2 moins 1. 1 moins 2 fois 2, 1 moins 4,
ça fait moins 3. Et les mêmes transformations, je les applique à la matrice identité. D'accord ? Alors, je laisse la ligne L1 telle qu'elle est. La ligne L2, je la remplace par L2 moins L1. 0 moins 1, ça fait moins 1. 1 moins 0, ça fait 1. Et 0 moins 0, ça fait 0. Je remplace maintenant la ligne 3 par L3 moins 2 fois L1. 0 moins 2 fois 1, ça fait moins 2. 0 moins 2 fois 0, ça fait 0. 1 moins 2 fois 0, ça fait 1. D'accord ? Fais les mêmes opérations à droite et à gauche. Le but, c'est de transformer cette matrice A en la matrice identité par les opérations élémentaires. Alors, maintenant, qui me dit quelle est l'étape suivante ? Travailler avec la ligne 2. Bien, on travaille avec la ligne 2 dans quel but ? Moins 1 doit aller 0. Très bien. Donc, pour obtenir une matrice triangulaire, voilà un triangle, je dois transformer le moins 1 en 0. Mais je suis dans la deuxième étape, donc j'utilise la ligne 2. Alors, quelle est la combinaison que je dois faire pour faire apparaître un 0 ici ? L3, je dois la remplacer par quoi ? Moins L2. Plus. Moins 1 plus 1. D'accord ? Donc, L3, je la transforme en L3 plus L2. Voilà. Je laisse la ligne 1 telle qu'elle est, la ligne 2 telle qu'elle est, et je remplace L3 par L3 plus L2. 0 plus 0, ça fait 0. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Moins 3 moins 1, ça fait moins 4. D'accord ? La même transformation, je la fais sur la matrice qui est à droite. L1 telle qu'elle est, L2 telle qu'elle est, et L3, je la remplace par L3 plus L2. Alors, L3 plus L2, voilà, moins 1 plus moins 1, ça fait moins 3. 0 plus 1, ça fait 1. 1 plus 0, ça fait 1. D'accord ? Donc, c'est bon, j'ai obtenu une matrice triangulaire. Mais ce n'est pas notre but. Hein. Si je veux calculer le rang de matrice de cette matrice, c'est égal à quoi le rang de cette matrice ? 3. 3. Parce que tu as calculé quoi ? Comment tu as su que c'est égal à 3 ? Très bien. C'est le nombre de lignes non nulles dans lequel le rang est égal à 3. Et d'ailleurs, c'est une matrice inversible. Le rang automatiquement est égal le nombre de lignes qui est égal à 3. Parce qu'on a vu une des propriétés. A est inversible si et seulement si le rang de A est égal à N. D'accord ? Donc, c'est normal qu'on va trouver le rang est égal à 3 parce qu'elle sera inversible. D'accord ? Donc, on n'a pas terminé. Je dis notre but, c'est de transformer la matrice A en la matrice identité. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Alors, il y a le 1. Le 1, c'est bon, de la matrice identité. Mais là, il y a le moins 4. Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois le transformer en 1. Comment je transforme moins 4 en 1 ? 1 sur 4. Voilà, moins 1 quart. Hein. Donc, le L3, je la remplace par moins 1 quart de L3. D'accord ? Voilà, je laisse L1, L2 et L3 par moins 1 quart de L3. Donc, moins 4 sur moins 1 quart fois moins 1 quart égale 1. Donc, c'est ça, c'est on s'approche petit à petit à la matrice identité. Alors, ce qui nous dérange ici, c'est le moins, c'est réel. Hein. On doit transformer ces réels en quoi ? Zéro. Zéro. Pour obtenir la matrice identité, parce que ça doit être 0, 0, 0, 1, 1, 1 et 0, 0. Okay. Alors, la même transformation ici, on l'a fait sur cette matrice. On multiplie la ligne 3 par moins 1 quart. Ça fait moins 3 fois moins 1 quart, ça fait 3 quarts.
moins un quart fois 1 et moins un quart fois 1. On obtient ça. Alors, je vais trouver facilement un 0 qui est là, hein, en utilisant la ligne 3. Alors, L1, je la remplace par L1 moins 2 fois L3. L1 moins 2 fois L3, je vais trouver automatiquement un 0 ici. Et L2, je la remplace par L2 plus L3. D'accord? Je suis dans la troisième étape. Hein. Voilà, on a utilisé les trois lignes. Donc, L1 moins 2 fois L3, ça fait 1 moins 2 fois 0, ça fait 1. 1 moins 2 fois 0, ça fait 1. 2 moins 2 fois 1, ça fait 0. L2, je la remplace par L2 plus L3. 0 plus 0, ça fait 0. 1 plus 0, ça fait 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. D'accord? Voilà. Et je laisse la ligne 3 telle qu'elle est. La même opération, je le fais ici. L1 moins 2 fois L3. Voilà. L1 moins 2 fois L3. Et L2, je la remplace par L2 plus L3. Je trouve cette matrice. Alors, ce qui me dérange ici dans cette matrice, c'est quoi? Qu'est-ce qui me dérange dans cette matrice? L1, voilà, parce que je dois obtenir la matrice identité, il y a ici un 0. Donc, une transformation facile, c'est L1 moins, je n'ai pas le choix ici, je fais L1 moins L2 pour obtenir un 0 ici. D'accord? Alors, je laisse les autres lignes telles qu'elles sont et je remplace L1 par L1 moins L2. 1 moins 0, ça fait 1. 1 moins 1, c'est 0. Et 0 moins 0, c'est 0. Et voilà, on obtient la matrice identité. Une fois on obtient la matrice identité, on dit que la matrice A est inversible et son inverse, c'est cette matrice qu'on a trouvée. Bien sûr, à chaque fois, les mêmes opérations, on les fait sur la matrice qui est à droite. Hein. Donc ici, on a fait L1, on l'a remplacé par L1 moins L2. D'accord? On obtient cette matrice-là. Donc, son inverse, c'est la matrice qu'on trouve là. Une fois on arrive à l'identité, on dit que la matrice est inversible. D'accord? Il y a une question? Vous avez compris ou bien je réexplique? Michel, je crois que le métal, je mange. عاود لي سؤال قلت باش تعاود لي من الابارتير من معناها عاود لك من الكل ميرسي دونك اون فيرسون لا ماتريس ا alors trot à la lissar donc vous mettez à gauche la matrice A et à droite la matrice identité. Le but c'est de faire des opérations élémentaires sur les colonnes ou les lignes comme tu veux. Alors sur les moi je préfère la plupart du temps je travaille avec les lignes hein. Donc, faire des opérations sur les lignes ou les colonnes de A pour obtenir à la fin la matrice identité. Donc, au lieu de la matrice A, A, je dois obtenir ici. Donc, le 1, c'est bon. Je le laisse, je le garde. Donc, au lieu de 2, je dois obtenir 1 ici, 1. Et partout, ces réels, ils doivent s'annuler. Donc, ils ont mis 1, 1, 1 et partout des 0. D'accord. La première étape de pivot de Gauss, c'est de faire apparaître un 0 ici et un 0 ici. D'accord? Donc, au lieu de 1, je dois obtenir un 0. Au lieu de 2, je dois obtenir un 0. Je suis, c'est ça, on appelle ça, c'est la première étape. Donc, 0, 0, si c'est une matrice 4 fois 4, je dois obtenir 3 0. Donc, 0, 0, 0. Toujours en utilisant la ligne 1. Je suis dans la première étape, j'utilise la ligne 1. Alors, je dois utiliser la ligne 1
pour faire apparaître un 0 ici. D'accord? Alors, je dois remplacer L2. Lorsque je dis je dois remplacer L2, automatiquement, je mets L2. L2, L2. Et là, j'ajoute et je retranche ce que je veux. Mais là, la méthode de pivot gauche, je dois utiliser la ligne 1 pour faire apparaître un 0 ici. Donc, يعود الآن اسمك تتحصل على 0 داكور باستعمال ليني 1 alors شنو هو الكومبينيزون اللي تعملها L2 moins L1 كي تعمل ديفيرونس هذوما تلقى 0 داكور lorsqu'on fait la différence L2 moins L1 on va trouver un 0 et là au lieu de 2 je dois trouver un 0 mais en utilisant la ligne 1 donc je suis dans la ligne 3 donc je remplace la ligne L3 par L3 moins 2 fois L1. J'obtiens un 0 ici. Alors, la première étape, c'est de faire apparaître ces deux 0 en utilisant la ligne 1. J'ai remplacé la ligne 2 par L2 moins L1. Alors, L2 moins L1, je laisse la ligne L1 telle qu'elle est. L2 moins L1, 1 moins 1, c'est 0. 2 moins 1, c'est 1. 1 moins 2, c'est moins 1. D'accord? L3, je la remplace par L3 moins 2 fois L1. 2 moins 2 fois L1, c'est-à-dire 2 moins 2, ça fait 0. 1 moins 2 fois 1, c'est 1 moins 2, ça fait moins 1. Et 1 moins 2 fois 2, ça fait 1 moins 4, ça fait moins 3. Les mêmes opérations, je le fais sur la matrice qui est à droite, sur cette matrice. Alors, je laisse la ligne 1 telle qu'elle est. Je remplace la ligne 2 par L2 moins L1. L2 moins L1. 0 moins 1, ça fait moins 1. 1 moins 0, ça fait 1. Et 0 moins 0, ça fait 0. Je remplace la ligne 3 par la ligne 3 moins 2 fois L1. 0 moins 2 fois 1, ça fait moins 2. 0 moins 2 fois 0, ça fait 0. 1 moins 2 fois 0, ça fait 1. D'accord? Donc, j'ai été dans la première étape, c'est de faire apparaître des 0 là, hein, même si j'ai une matrice 5 fois 5, la première étape, j'utilise toujours L1 pour faire apparaître des zéros sur cette colonne. D'accord? Ah oui. Alors, mon but, ça, d'abord, c'est de la rendre triangulaire. Si j'arrive à faire apparaître ces zéros ici, c'est bon. Ensuite, je m'intéresse aux zéros qui sont de la partie supérieure. D'accord? Alors, mon but, c'est d'arriver à une matrice comme on a calculé dans le rang. Ben, c'est bon, ces zéros sont pris. L'étape suivante, c'est de faire apparaître un zéro qui est là. Au lieu de moins 1, je dois obtenir un 0. D'accord? Alors, بعد ما دهرت في الكولون هذه زيروات, نجي juste بلي بجنبها, العدد اللي بحذاه جنب اخر زيرو, d'accord? اللي هو هنا. D'accord? Donc, le dernier zéro, donc je regarde quel est le réel qui est devant ce 0. Donc, il y a moins 1. Donc, je dois trouver ici 0. Mais je suis dans la deuxième étape maintenant. Donc, j'utilise la ligne 2. La deuxième étape, c'est de s'intéresser à ce 0. D'accord? Donc, je suis dans la deuxième étape. Je dois utiliser la ligne 2. OK? Alors, je dois faire moins 1 plus 1 pour obtenir 0. Donc, je remplace la ligne L3 par L3 plus L2. Je laisse la ligne 1 telle qu'elle est, la ligne 2 telle qu'elle est. Et la ligne L3, je la remplace par L3 plus L2. 0 plus 0, ça fait 0. Moins 1 plus 1, ça fait 0. Moins 3 plus moins 1, c'est moins 4. Je fais la même opération sur cette matrice. L1 telle qu'elle est, L2 telle qu'elle est, et je remplace L3 par L3 plus L2. Moins 2 plus moins 1, ça fait moins 3. 0 plus 1 est égal à 1, et 1 plus 0 est égal à 1. D'accord? Alors,
qui me dit, par exemple, pourquoi je multiplie le L3 par moins un quart. Pourquoi? Pour obtenir 1. Et pourquoi on doit obtenir 1? Parce que notre but, c'est quoi? C'est de la rendre. Trouver la matrice d'identité. Voilà. Donc, je multiplie par moins un quart. Okay. Voilà, je multiplie par moins un quart. La L3, je la transforme par moins un quart de. Je la remplace par moins un quart de L3. OK? Voilà, L1 telle qu'elle est, L2 telle qu'elle est. Et L3, je la remplace par moins un quart de L3. Voilà. 0 fois moins un quart, ça fait 0. 0 fois moins un quart, ça fait 0. Moins 4 fois moins un quart, ça fait 1. La même chose, je le fais ici. La ligne 3, je la remplace par moins un quart de L3. Voilà. Moins 3 fois moins un quart, ça fait 3 quarts. Moins un quart et moins un quart. C'est bon. La côté de la diagonale, c'est bon. Et les zéros au-dessous de la diagonale, c'est très bien. Qu'est-ce qui me dérange ici pour arriver à la matrice identité? Là, ça doit se transformer en zéro. Il doit être zéro. Et celle-là doit être égale à zéro pour obtenir la matrice identité. Alors, je m'intéresse à ce zéro. Il y a une opération facile qui va me permettre d'obtenir un zéro. D'accord? Je peux faire L1, je la remplace par L1 moins 2 fois L3. L1, je la remplace par L1 moins 2 fois L3. 2 moins 2, ça fait 0. Voilà, L1 par L1 moins 2 fois L3. Alors, 1 moins 2 fois 0, ça fait 1. 1 moins 2 fois 0, ça fait 1. 2 moins 2 fois 1, ça fait 0. Alors que j'ai obtenu un 0. Et L2, je la remplace par L2 plus L3 pour obtenir un autre 0 ici. D'accord? L2, je la remplace par L2 plus L3. Alors voilà, 0 plus 0, ça fait 0. 1 plus 0, ça fait 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0. OK? C'est bon jusque-là? Oui, madame, c'est bon. Ben. Donc, je n'ai pas le cas de tralakni. Qu'est-ce qui me dérange? Le 1, il faut. Le 1. Donc, si je fais L1 moins, je le remplace L1 par L1 moins L2. Et il s'en va. D'accord? La même opération ici, je l'ai fait sur cette matrice. J'obtiens celle-là. Alors, je fais L1 moins L2. Alors, L1 moins L2, 1 moins 0. 1 moins 1, ça fait 0. 0 moins 0, ça fait 0. Et voilà, j'obtiens la matrice identité. Une fois j'obtiens la matrice identité, ça prouve que la matrice est inversible et son inverse égale la matrice qui est là, qu'on trouve à droite. D'accord? Voilà, je vais me servir. De rien. Vous n'hésitez pas à poser des questions. Maintenant, on va passer à la nouvelle chapitre. Qui a un problème dans les matrices dans le cas général? Il ne sait pas encore, par exemple, faire le produit matriciel ou n'importe quoi, le rendu d'une matrice. Je peux reprendre la partie et réexpliquer. C'est bon? Donc, au cours des vacances, essayez de réviser les chapitres qu'on a vus parce que peut-être... ce n'est pas la semaine. Mais le DS, ce sera peut-être la semaine d'après les vacances. Donc, essayez de bien réviser au cours des vacances pour que lorsqu'on fait la prochaine séance, vous me posez les questions et je réexplique tout ce que vous n'avez pas compris. Hein. Vous avez le droit toujours de poser les questions. Je suis là pour expliquer. Hein. Alors, maintenant, je vais faire le chapitre 3. Chapitre 3,
sur les déterminants. OK? Déterminant et système linéaire. Déterminant des matrices carrées d'ordre 2 ou 3. Vous savez, le déterminant, vous l'avez utilisé. Alors, c'est tout le déterminant hein, d'une matrice 8 fois 2. Dans le TD. Oui, première. Le TD, c'est tout. Hein. René, madame, Hatakbal, quand on voit les vecteurs, est-ce qu'ils sont collinéaires ou elle est. D'accord. On a vu les familles linéaires ou aller l'espace. D'accord. Donc, on va étudier les déterminants. Déterminant des matrices carrées d'ordre 2 ou 3, définition 1. Déterminant d'ordre 2. Si A égale A1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, alors on appelle déterminant de A une autre déterminant de A ou. Au lieu de ça, ce sont des parenthèses pour dire que c'est une matrice. Pour le déterminant, on note un déterminant de barre, c'est-à-dire c'est le déterminant de cette matrice. C'est le réel défini par déterminant de A égale A1, A2, 2 moins A2, 1, A1, 2. D'accord ? Par exemple, le déterminant de A1, 2, 0, 1, c'est 1 fois 1 moins 0 fois 2, ça fait 1. Donc, ça, c'est pour le déterminant d'une matrice 2 fois 2. D'abord, on ne parle de déterminant que pour les matrices carrées. Hein. Il faut que le nombre de lignes égale le nombre de colonnes pour calculer le déterminant d'une matrice. Sinon, ça n'existe pas. Déterminant d'ordre 3, qu'est-ce qu'on fait ? Si on a une matrice d'ordre 3, c'est-à-dire elle contient 3 lignes et 3 colonnes, comment calculer son déterminant? Le déterminant d'ordre 3 correspond à une matrice d'ordre 3 se définit par. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait sur cette colonne le signe de cette colonne. Donc, toujours on commence par plus, ensuite moins, ensuite plus. D'accord? Toujours le signe, je commence par plus et ensuite ça devient plus, moins. Donc, il y a par exemple ici moins. Ensuite, plus, ensuite, moins, plus, moins et plus. Alors, je m'intéresse à cette colonne. Je mets le ligné, plus, le signe, plus, moins et plus. Et je fais comme ça. Je cache cette colonne. Alors, je vais faire passer ligne par ligne. Je passe les lignes sur cette colonne. Je cache cette colonne et je fais mon premier passage, A1 fois le déterminant qui reste lorsqu'on cache cette ligne et cette colonne. Donc, il y a un signe plus, donc je ne mets rien. A1 fois, je cache cette colonne et cette ligne. Donc, il reste le déterminant de A2, 2, A2, 3, A3, 2 et A3, 3. C'est bon? Donc, je m'intéresse à la deuxième ligne. Donc, moins A21 fois, je cache la deuxième ligne et la première colonne. Donc, moins A21 fois A12, A13, A32, A33. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Le A3, 1, et je cache quoi? Plus A3, 1, fois quoi? Qu'est-ce que je dois cacher? A3, 2, A3, 3, ou 1, 3, 2, 1. Ah, je dois supprimer quoi? Troisième ligne, première colonne. Voilà, troisième ligne, première colonne, troisième ligne. Je cache la troisième ligne et la première colonne. D'accord? J'obtiens A1, 2, A1, 3, A2, 2, A2, 3. Est-ce que c'est bon? Madame, la colonne est dit, à la première colonne, je fais son signe. Toujours, je commence le signe par plus. Ensuite, mara plus, mara moins. D'accord? Donc, une fois plus, une fois moins. Donc, ça, c'est plus. L'autre, ça sera automatiquement moins. Ici, plus. Donc, si on a une troisième et quatrième ligne, ça sera moins. OK? Alors, je fixe le signe. Ensuite, alors, j'ai fixé cette colonne. Je vais passer toutes les lignes.
Alors, je fixe cette colonne et je passe la première ligne. Qu'est-ce qu'il y a dans l'intersection AA1? Et je cache la première ligne et la première colonne. Je cache la première ligne, la première colonne. Donc, A1, fois qu'est-ce qu'il reste lorsque je cache ces deux? A2, A2, A3, A3, 3. D'accord? Alors, ensuite, je passe ça au réel suivant. Il y a un signe moins. Donc, je mets moins A2, fois je cache la deuxième ligne et la première colonne. Lorsque je casse la deuxième ligne et la première colonne, qu'est-ce que j'obtiens? A1,2, A1,3, A3,2, A3,3. C'est bon? Je passe au réel suivant. Plus, il y a un signe plus, plus A3,1, je cache la troisième ligne et la première colonne. Je cache la troisième ligne et la première colonne. Je les cache. Donc, plus A3,1. Fois, alors lorsque j'ai cassé ces deux, il reste A1,2, A1,3, A2,2, A2,3. D'accord? C'est bon maintenant? Ça va? Non, le message? Femme-toi, Lélé? Femme-toi, madame, c'est nice. Calculer le déterminant de A avec A égale. A1,0, 2,1,3, ensuite 3,1,4. Essayez de calculer le déterminant seul. 1,1,0, 2,1,3, 3,1,4. 1,1,0, 2,1,3, 3,1,4. Allez, tout seul. Tout seul. Avec cette méthode, je me fixe la première colonne. Je fixe la première colonne. Je mets son signe, plus, moins, plus. Ensuite, je fais passer toutes les lignes en mettant les réels qui sont à l'intersection. Madame. Oui. Je vais me fixer à l'imine ou à l'isar. Qu'est-ce que je fais? راهدي ديفينيسيون الاولانيه طون بعد نمشيو نقول لك تنجم تفيكسي اي لين واي كولون تحب عليه بالضبط خاطر ملي بالتدرج شويه هذه سي لا ديفينيسيون دو ديتيرمينون دوردر 3 بعد باش نشوفوا اللي احنا نجمو اون ديفلوب سور نيمبورت كيل لين و نيمبورت كيل كولون داكو وا باش نوصلوا لهذيك اما شنو معناها ديتيرمينون اما شنو معناها ديتيرمينون هو بالاساس هو هذايا هذه سي لا ديفينيسيون دان ديتيرمينون دوردو 3 من بعد اون فوار اون بروبريتي بور نيمبورت كيل ماتريس دوردو ان اون بو سو فيكسي نيمبورت كيل كولون او نيمبورت كيل لين اي اون في سكو نا في ايسي داكور مي سا لا بروميير ديفينيسيون لا ديرنيير ليني 3 1 4 3 1 4. كان هابط تشوف الريزولتا اي مدام يظني بشكل اثنين صحيح ان شاء الله ما تكونش شفتها اشوف اللي خدمتها صح بيان الو عايفه سالي انت كي خدمتها اكسبليكو اون فرونسي ميسيل كيس كو جو في اون بروميي لو ان فوا فيكس جو فيكس جو فيكس اي سيت سيت كولون لا فيكس لا بروميير لين شنو؟ La première colonne, hein? Et je fixe la première ligne. Je fixe la première colonne, ensuite je mets son signe. Plus, ensuite moins, ensuite plus. Ensuite?
بعديك مادام خطاني انا نخدم طريقه نخدمها بها في الليسي، قال لي نشطب اللين الاولى والكولون الاولى، بعديك نعمل الديتيرمينون تاع 1 3 1 4 ونعمل فوا 1، بعديك نعمل موان. هذه هي الطريقه اللي حكيت لك عليها، هذه نفسها. هي بيدي. بعديك نعمل موان وناخذ 2 فوا الديتيرمينون دو 1 0 1 4. Exactement. C'est ce que je vais vous expliquer, d'accord? Plus 3 fois le déterminant de 1, 0, 1, 3. Très bien. Donc, je fixe la première colonne, je mets son signe. Ensuite, on va voir, on va fixer n'importe quelle, on peut fixer n'importe quelle colonne ou quelle ligne, d'accord? Mais pour le moment, fixant la première colonne, je mets son signe, plus, moins, plus, et je fais passer les lignes. Alors, il y a lorsque j'ai fixé cette colonne et cette ligne, il y a le plus 1 qui est l'intersection. Donc, je mets 1 fois, je cache cette ligne et cette colonne. Donc, ça, il reste 1, 3, 1, 4. Je passe au suivant. Moins, il y a le 2. Moins 2, je cache cette ligne et cette colonne. D'accord? Moins 2 fois 1, 0, 1, 4. D'accord? Je passe au réel suivant. Plus 3 fois... Je cache cette ligne et cette colonne. Il reste 1, 0, 1, 3. D'accord? Et je calcule ces déterminants. 1 fois 4, 4. 4 moins 3, ça fait... Voilà, 4 moins 3. Ensuite, moins 2 fois 4 moins 0. D'accord? Plus 3 fois 1 fois 3, 3 moins 1 fois 0. Ça fait 3 moins 0. Donc, à la fin, on trouve 2. OK? Règle de Sarrus, une autre façon pour calculer le déterminant d'une matrice. Donc, on a une matrice d'ordre 3. On réécrit les deux premières colonnes, la colonne 1 et la colonne 2. Voilà la colonne 1, je l'écris devant la matrice. La colonne 2, je la réécris ici. Ensuite, je fais le produit des éléments de la diagonale dans ce sens. Dans ce sens, avec un signe plus. Alors, je mets x1 fois y2 fois z3 plus y1 fois z2 fois x3 plus z1 fois x2 fois y3. J'ai terminé les diagonaux de la diagonale qui contient 3. Hein. Donc, les diagonaux dans ce sens-là, dans le sens droit. Je passe aux diagonaux dans le sens inverse. Alors, je mets un signe moins. Pour les diagonaux dans le sens inverse, je mets un signe moins. Donc, moins Z1, Y2, X3, moins X1, Z2, Y3, moins Y1, X2, Z3. Et on obtient le déterminant. Remarque très importante. La règle de Sarrus n'est valable que pour les matrices d'ordre 3. Si on a une matrice 4 x 4, on n'a pas le droit d'utiliser la règle de Sarrus pour calculer le déterminant. Il faut utiliser autre chose. Exemple. Je vais appliquer la règle de Sarrus pour cette matrice, pour calculer le déterminant. Lorsque je mets deux barres ici, c'est-à-dire je suis en train de calculer le déterminant. Alors, qu'est-ce que je fais? Je réécris la première colonne et la deuxième colonne. OK? Première colonne et la deuxième colonne devant la matrice. Ensuite, je fais passer les diagonaux dans ce sens, dans le sens direct. 1 fois 1 fois 4, ça fait 4. Plus, je suis dans le sens direct, donc plus. Plus 1 fois 3 fois 3, c'est-à-dire plus 9, plus. 1 fois 2 fois 0, plus 0. Je passe à sens inverse, moins, il y a un signe moins, moins 0 fois 1 fois 3, c'est-à-dire moins 0, moins 1 fois 3 fois 1, c'est-à-dire moins 3, moins 4 fois 2 fois 1, moins 8. Je calcule, j'obtiens, est égal à 2. Donc, je réécris la règle de Sarrus n'est applicable que pour les matrices d'ordre 3. Je réécris la colonne 1 et la colonne 2.
Je fais passer le produit des éléments de diagonale dans le sens direct avec un signe plus. 1 fois 1 fois 4, ça fait 4. Plus 1 fois 3 fois 3, ça fait 9. Plus 0 fois 2 fois 1, plus 0. Maintenant, le sens inverse avec un signe moins. Moins 0 fois 1 fois 3. Moins 1 fois 3 fois 1. Moins 4 fois 2 fois 1. J'obtiens 2. Alors maintenant, déterminant des matrices carrées d'ordre n développant suivant une ligne ou une colonne. Soit A égale AIJ, une matrice d'ordre n, on appelle mineur de la place IJ dans A le déterminant delta IJ d'ordre n moins 1 obtenu en supprimant de A la IM ligne et la JM colonne, exemple. Donc, delta A1, c'est le mineur de A de la place A1. Ça veut dire quoi? Je dois cacher la première ligne, supprimer la première ligne et la première colonne. Ça, c'est ligne, ça, c'est colonne. Je cache la première ligne et la première, première ligne et la première colonne. Et je calcule le déterminant. Je cache la première ligne et la première colonne. J'obtiens ce déterminant. 1 moins 1, 2, 0. 1 fois 0 égale 0. Moins 2 fois moins 1, c'est-à-dire plus 2. Ça fait 2. Maintenant, si je veux calculer le mineur d'ordre n moins 1, c'est-à-dire d'ordre 2, à la place 1, 2. À la place 1, 2. Je dois cacher quelle colonne et quelle ligne? Je dois cacher? Première ligne et deuxième colonne. Première ligne et deuxième colonne. Je cache la première ligne, j'efface la première ligne et la deuxième colonne. Donc, il reste 1 moins 1, 4, 0. 1 fois 0, ça fait 0. Moins 4 fois moins 1, ça fait plus 4. Etc. On peut calculer le delta IJ pour n'importe quel I et J, I variant de 1 et J variant de 1 jusqu'à 3. D'accord? Proposition. Soit A égale une matrice A et J d'ordre N. Je dis, on ne peut pas calculer que les déterminants des matrices carrées. Hein. Donc, on a une matrice carrée. Le déterminant de A, c'est la somme I allant de 1 jusqu'à N de A IJ moins 1 à la puissance I plus J fois delta IJ. Ça, c'est le développement par rapport à la JM colonne. C'est la remarque qu'il a fait votre camarade. Il a dit, lorsque j'ai dit ici, j'ai fixé la première colonne. Voilà. Lorsque j'étais là, il a dit on a le droit de fixer n'importe quelle colonne ou n'importe quelle ligne. Il a raison. Mais ça, c'est la première définition. Ensuite, on voit par ce théorème, on a le droit de fixer n'importe quelle colonne ou n'importe quelle ligne. Et le déterminant, c'est la somme I. Je fixe par exemple la colonne J. C'est la somme sur les lignes. Lorsque j'ai fixé une colonne, je fais la somme sur les lignes. De moins 1 à la puissance i plus j, ça c'est le signe qu'on met plus moins, c'est moins 1 à la puissance i plus j. Alors, fois delta ij, le mineur, c'est-à-dire le déterminant lorsqu'on supprime la im ligne et la jm colonne, d'accord? Fois aij. Ça c'est le développement par rapport à la jm colonne. On a fixé la jm colonne. On peut de même fixer la im colonne et on fait la somme lorsqu'on fixe la im ligne. Pardon. Ah, j'ai fait une faute ici. Hein. Ça, c'est développement du déterminant par rapport à la JM colonne. Voilà, fixer JM colonne. Et ça, c'est par rapport à la IM ligne. La faute ici, par rapport à la IM ligne, ce n'est pas la IM colonne. Alors, par rapport à une ligne, je veux fixer une ligne et je fais passer toutes les colonnes. D'accord? On va voir l'exemple. On va comprendre ça par exemple. Par exemple,
On se donne cette matrice, calculer le déterminant de A. Je peux utiliser la règle de Sarrus, c'est simple. Je peux utiliser aussi cette règle-là qui est le développement suivant une colonne ou une ligne. D'abord, je me fixe une colonne ou une ligne. C'est la colonne ou la ligne que je veux. Hein. Je peux travailler avec cette ligne, cette colonne, etc. Mais pour alléger le calcul, je choisis la colonne ou la ligne qui contient le maximum de zéros. Je choisis cette colonne parce qu'elle contient des zéros. Elle va alléger le calcul. Donc, je fixe cette colonne parce qu'elle contient deux zéros. Je la fixe. Je mets par suite le signe de cette colonne. Toujours, n'importe quelle matrice, ça commence par plus. Ensuite, moins. Donc là, je vais trouver plus. Ensuite, moins. D'accord? Alors, j'ai fixé cette colonne. Je mets le signe de cette colonne. Moins, plus, ensuite, moins. Et maintenant, puisque j'ai fixé une colonne, je fais passer quoi? Sur cette colonne, je vais passer les lignes. D'accord? Je passe la première ligne. Voilà. J'ai passé la première ligne. Alors, le déterminant égale moins 0 fois le déterminant que je trouve lorsque j'efface la première ligne et la deuxième colonne. D'accord? Moins 0 fois 2, 1, 3, moins 1. Voilà. Alors ensuite, je passe au réel suivant. Plus 1 fois. Je dois effacer quoi maintenant? Plus 1 fois. Deuxième ligne. Toujours deuxième colonne. D'accord? Alors deuxième ligne, deuxième colonne. Donc, ça fait quoi lorsque j'efface ces deux? Donc plus 1 fois 1, moins 1, 3, moins 1. D'accord? Je passe au réel suivant dans cette colonne que j'ai fixée. Moins, il y a un signe moins, moins 0 fois, j'efface la deuxième colonne et la troisième ligne. Donc, ça fait moins 0 fois. Donc, 1, moins 1, 2, 1. Voilà. Je reprends l'explication. Alors, je vais calculer le déterminant de cette matrice. Je fixe la colonne ou la ligne que je veux. Mais pour alléger le calcul, je fixe la colonne qui contient le maximum de zéro ou la ligne qui contient le maximum de zéro. Puisque cette ligne contient de zéro, je la fixe. Après avoir fixé cette colonne, je dois faire le signe de cette colonne. Donc, n'importe quelle matrice commence par plus. Ensuite, une fois plus, une fois moins. Plus, moins. Donc, ici, plus. Ensuite, moins. Ça y est, cette colonne est fixée avec son signe. Je dois passer les lignes sur cette colonne. Je passe la première ligne. Voilà. Donc, il y a un moins 0 fois. Lorsque j'ai passé là, qu'est-ce qu'il reste? J'efface la première ligne et la deuxième colonne. Il reste 2, 1, 3, moins 1. Je passe, je suis toujours dans cette colonne, je passe au réel suivant. Plus 1 fois. Alors, j'efface cette colonne et la deuxième ligne. Alors, plus 1 fois, lorsque j'efface ces deux, qu'est-ce qu'il reste? 1 moins 1, 3, moins 1. D'accord? Je passe au réel suivant, moins 0 fois. Donc, j'efface cette colonne et je suis dans la troisième ligne. Donc, moins 0 fois, lorsque j'efface cette ligne et cette colonne, il reste 1 moins 1, 2, 1. Dorénavant, je ne veux plus mettre moins 0 fois, mais pour vous expliquer, lorsqu'on a 0, c'est fini. Le résultat, c'est 0. D'accord? Alors ici, il y a moins, j'ai fait une faute ici. Hein. 1 fois moins 1, ça c'est 0, ça c'est 0. 1 fois moins 1, c'est moins 1.
Il y a le moins 3, j'ai mis. Non, c'est moins 1. Vous pouvez prendre la correction. Donc, la page 3 du cours de déterminant. Rectification, vous mettez exemple 1. Rectification, exemple 1. Page 3, cours du déterminant. Rectification, exemple 1. Déterminant de A égale moins 1. Moins moins 3, ça fait plus 3. Moins 1 plus 3, ça fait 2. Hein, non pas 0. Je m'excuse, il y a une faute. Donc, le déterminant, c'est égal à moins 1 plus 3, ça fait 2. Alors, on passe à une autre matrice, un autre exemple. Soit la matrice qui est là, calculer de déterminant de A. Maintenant, je vais travailler avec la ligne. Je peux aussi travailler avec la colonne. On va trouver le même résultat. Pourquoi, par exemple, je n'ai pas fixé la ligne, la première ligne? Pourquoi je n'ai pas travaillé avec la première ligne? J'ai travaillé avec le deuxième. Qu'est-ce qu'elle a de plus, la première, la deuxième ligne? Voilà, elle contient un zéro. Donc, je choisis toujours celle qui contient le maximum de zéro. D'accord? Alors, je me fixe cette ligne. Je mets le signe de la ligne. Toujours, la matrice commence par plus, plus, moins, plus. Ensuite, après le plus, il y a un signe moins. Plus et moins. Voilà le signe de... Hein? Non? J'ai pas entendu. Ah, without, ما سمعتكش. هي مش تحب تسأل ولا شبيها شبيها هي. الميكرو نتاعك مش واضح ما تمشي. قالت فهمتوهاش قالت. يا قالت لك معناها عندي مشكلة في الصوت ديجا كتبت هكا ميساج في الجروب. عندها سؤال تحب تسأله هي؟ اكتب على الشات تاو نجاوب. اي تنجم بيان شو. Eh bien sûr, bien sûr, vous pouvez travailler avec la ligne 3. D'accord, on a le choix entre ligne 2 et ligne 3. Et même la ligne 1, on peut, il suffit, mais ça fait plus de calcul. D'accord. Alors, madame. Oui, il faut calculer le déterminant de A. En général, on a le choix entre A ligne ou A colonne. Eh, qui m'a Manatio comme je méthode. D'accord? Alors, mais parfois, par exemple, des étudiants utilisent la règle de Sarrus, ce n'est pas la règle de développement. Je vous conseille de faire les combinaisons linéaires pour obtenir des zéros. Par la suite, on va voir. D'accord? L'essentiel, au début, on doit faire apparaître des zéros, ensuite faire le calcul. Hein? Mais on va la voir par la suite. Pour le moment, on va comprendre ça. Calculer le déterminant de A. Je fixe cette ligne, parce que la deuxième ligne, parce qu'elle contient un zéro. Donc, je fais le signe de cette ligne, moins, plus, moins. Ensuite, je travaille. Maintenant, comme j'ai fixé une ligne, je vais faire passer les colonnes, un par un. D'accord? Alors, le déterminant, je fixe cette ligne, je passe la première colonne. Alors, lorsque je passe la première colonne, il y a 0 avec un signe moins. Donc, je fais moins 0 fois le déterminant qui reste lorsque
J'efface la deuxième ligne et la première colonne. Qu'est-ce qu'il reste? 2 moins 1, moins 1, 0. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? J'ai passé cette première colonne. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais passer la deuxième colonne sur cette ligne qui est fixée. Alors, lorsque je fais passer la deuxième colonne, donc il y a le plus 1 fois le déterminant qui reste lorsque j'efface cette colonne et cette ligne. Qu'est-ce qu'il reste? 1 moins 1, 1, moins 1, 0. Il reste donc 1, 0. 1 moins 1, plus 1, voilà, 1 moins 1, 1, 0. Voilà. J'efface cette ligne et cette colonne, donc il reste 1 moins 1, 1, 0, d'accord? Ensuite, il reste à faire passer la troisième colonne. Donc, il y a un signe moins, moins 3, d'accord? Donc, moins 3 fois, j'efface cette ligne et cette colonne. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1, 2, 1, moins 1. Je fasse cette colonne et cette, d'accord? Cette ligne et cette colonne. Est-ce que c'est clair? Qui n'a pas compris? Ça va, Olan? Non. C'est clair. C'est bon. C'est bon. Terminons d'une matrice. أي مدموزيل مدام يعني الميثود اللي كنا نخدمه اللي خدمنا بها أول مرة لا بخمير ميثود هي تتسمى كا بارتيكولي تاع الميثود هيدي صحيح هذيك وقتها احنا هنا فيكسي لا بخمير كولون طبعا عندك الحق باش تفيكسي أي كولون ولا أي ليني حاجتك بها داكور المهم تحط له السيني نتاعو مثلا انت تو فيكسي اون لين تحط السيني نتاع الليني هذيك وبعد تبدا تعدي بالكولون بالكولون داكور بي مدام سؤال واحد اخر نحن توا خدمنا على كينشي ان ايجال 3 كي تبدا بار اكزومبل ان ايجال 4 ولا 5 ولا ما نعرفش لا ميم ميثود اكزاكتومون لا ميم ميثود مي في عود باش تولي تخدم 3 غيال اللي يوليو 4 غيال انا حبيت نعطي دي زيكزامبل سامبل بور فو كومبروني مي اكزاكتومون لا ميم شوز اذا كان عندك شنو باش يتبدل اذا كان عندك مي اللي باش يتبدل ما عادش باش تلقى انت كي باش تلقاها ماتريس 4 فوا 4 دونك لو فاس لا لا il devient un déterminant de 3 fois 3 qu'est-ce que tu fais tu refais la même chose à ce déterminant اذا كان عندك déterminant 3 fois 3 pour le calculer tu effaces ligne par colonne etc. D'accord. Sinon, madame, par exemple, qui qu'on a un interne qui est plus grand, on dit 10 ou la manarchena. Je dois les méthodes DSI plus grand. Donc, dès qu'on les met, on cherche une méthode autre. Nous avons bien 2 zéros. Quand on cherche une matrice triangulaire, on trouve le déterminant et c'est le plus grand. D'accord. Donc, il y a un calcul de calcul de quelle matrice qui est tandis que quel triangulaire chauffe. Déterminant d'une matrice triangulaire. Mais merci. Rien. Si la matrice est triangulaire, le déterminant directement A1, A1, jusqu'à. C'est le produit des éléments de la diagonale. A1, A1 fois A1, A2, 2 fois A3, 3 fois jusqu'à A1, N. Donc, on a tous les éléments de la diagonale et on fait le produit. D'accord? C'est pourquoi, par la suite, comme on a dit, lorsque la matrice est grande, c'est beaucoup de calculs que ça fera. Donc, notre but sera par la suite, c'est de transformer la matrice A en une matrice triangulaire et on peut calculer à ce moment le déterminant facilement. Même résultat si la matrice est triangulaire inférieure ou diagonale. Triangulaire inférieure, c'est-à-dire... Il y a des zéros sur la partie qui est là, hein, inférieure. Le triangle est dans la partie inférieure. Là, il y a des réels et là, il y a des zéros. D'accord? Donc, le déterminant à ce moment aussi, c'est le produit des éléments de la diagonale. Et même résultat aussi si la matrice est diagonale. Ça veut dire quoi une matrice diagonale? Hmm? Comment est la matrice diagonale?
معناها اليا دو زيرو فما لا ديغونال فيها دي ريال اون سي با سي سي سون نول او نون نول ليسونسييل الى ici دي ريال اي لا دي زيرو اي aussi en haut et en bas il n'y a que des zéros donc هنا دي زيرو هنا دي زيرو donc la matrice est dite diagonale lorsque la matrice est diagonale le déterminant aussi c'est le produit des éléments de la diagonale on voit les deux exemples suivants par exemple cette matrice c'est une matrice triangulaire parce qu'il y a la diagonale ici. Au-dessus de la diagonale, il n'y a que des zéros. Cette matrice est appelée triangulaire. Donc, le déterminant, c'est le produit des éléments de la diagonale. 1 fois 2 fois 3, c'est 6. Là aussi, c'est une matrice triangulaire inférieure. On regarde un triangle à la partie inférieure. La diagonale, c'est de là jusque là. Donc, au-dessus de la diagonale, il y a des zéros. Donc, c'est une matrice triangulaire et par suite, le déterminant, c'est 3 fois 4 fois 5, le produit des éléments de la diagonale. Et ça, c'est une matrice diagonale. Donc, ailleurs, de la diagonale, il n'y a que des zéros. Donc, on dit que c'est une matrice diagonale. Donc, le déterminant, c'est 1 fois 5 fois 6, c'est 30. OK? Donc, théorème 1, soit A appartenant à Mn de K, le déterminant de transposé de A égale le déterminant de A. Qui me rappelle comment on fait le transposé d'une matrice? Qui me rappelle la permutation entre les lignes et les colonnes. Bien, les colonnes deviennent des lignes, d'accord? Les colonnes de la matrice se transforment en lignes. Première colonne devient première ligne. Deuxième colonne devient deuxième ligne, etc. Le déterminant de transposé de A est toujours égal au déterminant de A. Déterminant de la matrice identité, c'est quoi la matrice identité? Sur la diagonale, il n'y a que des 1 et ailleurs des 0. Donc, toujours est égal à 1. Et c'est tout à fait normal parce que c'est une matrice diagonale. Donc, le déterminant, c'est le produit des éléments de la diagonale. Donc, on va obtenir 1 fois 1 fois 1, 1 fois c'est 1. Et déterminant de la matrice nulle, c'est égal à 0. Déterminant du produit matriciel A fois B, c'est déterminant de A fois déterminant de B. Déterminant de alpha fois A, c'est alpha à la puissance N fois déterminant de A, avec A est une matrice d'ordre N. Donc, déterminant par exemple de 3 fois A, lorsque la matrice est 4 fois 4, donc c'est 3 à la puissance 4 fois déterminant de A. D'accord? Ce N, c'est l'ordre de la matrice, c'est le nombre de lignes ou de colonnes de la matrice, d'accord? A est inversible si et seulement si déterminant de A est non nul, et ça, c'est un bon résultat. Pour montrer, par exemple, qu'une application linéaire est bijective, qu'est-ce qu'on fait? On construit sa matrice, on a dit F est bijectif si et seulement si la matrice est inversible, et la matrice inversible, on le voit directement par le calcul de déterminant. Ce n'est pas la peine d'utiliser la définition. A est inversible si et seulement si le déterminant de A est non nul. Et dans ce cas, le déterminant de A moins A égale 1 sur déterminant de A. Si F de Rn dans Rn, une application linéaire, alors F est bijectif si et seulement si la matrice de F est non nul. Le déterminant de la matrice de F est non nul. On a dit que A est inversible si et seulement si le déterminant est non nul. Exemple, on regarde cette matrice. Alors, c'est une matrice triangulaire. Regardez le triangle qui est là. Donc, son déterminant direct, c'est 5 fois 2 fois 4, 40, est non nul. Donc, directement, la matrice est inversible. D'accord? Et le déterminant de la matrice inverse, déterminant de A moins 1 égale 1 sur déterminant de A égale 1 sur 40. D'accord? Ensuite, on va voir comment on va faire des combinaisons sur les lignes ou les colonnes pour simplifier le calcul du déterminant. Qui a une question concernant ce cours en déterminant? C'est bon? On s'arrête? Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Voilà. Madame, oui. Juste,
نجم شنو؟ لونغيجيسترومون تحطو ليميت هذايا قبل ما نمشي نعملو التديت خاطر صوتي يقص برشا عندي نحب نعاود بختي. توا تو سويت توا بعد شوية كي يوصلني نحطو داكور. ميرسي. شكرا. سلامة. سلامة. أوفا. سلامة. Au revoir. Bon après-midi. Bye bye.